Le Taquinum Sanitatis, tableau de santé, est un manuel médiéval sur la santé peint en Rhénanie au milieu du XVe siècle. Le texte, en latin, est basé sur le Taquin al-Siya, un traité médical arabe par Ibn Butlan, médecin chrétien né à Bagdad et mort en 1068. Ce codex se distingue des autres traités de médecine médiévale parce qu'il comprend non seulement un herbier, mais aussi de grandes sections consacrées à des sujets aussi variés que la respiration, l'exercice, le repos, la santé mentale. Il propose 6 éléments nécessaires à l'entretien de la santé de tous les jours. La nourriture et la boisson, l'air et l'atmosphère, le mouvement et le repos, le sommeil et l'éveil, les sécrétions et excrétions des humeurs, et les mouvements de l'esprit ou les émotions, tels que la colère, la joie ou la honte. Une longue section du livre est consacrée à l'explication en détail des avantages des différents aliments. Et il intègre aussi un vaste herbier. Au cours de la fin du Moyen Âge, le Taquinum Sanitatis était si populaire que le terme taquino est utilisé en italien moderne pour désigner tout type de livre de poche. D'après le blason, ce beau manuscrit a appartenu au comte Louis de Württemberg et son épouse Mathilde, fille de Louis de Bavière, comte palatin du Rhin. L'édition du Taquinum Sanitatis, préparée par M. Mollegro Editor, est première et unique. Elle est limitée à 987 exemplaires, numérotés et authentifiés par acte notarié. En outre, elle est accompagnée d'un volume de commentaires en couleur confié au spécialiste Alain Touwade de l'Institute for the Preservation of Medical Traditions et la Smithsonian Institution, Carlos Miranda et Eberhard Koenig de la Freie Universität de Berlin. La réalisation de ce codex atteint un tel niveau de perfection que l'on peut même aller jusqu'à dire qu'il s'agit d'un clone.